bientôt 40 ans. Un fils qui me fait chier tous les jours sur FIFA. Voilà, et joueur à Bagatelle depuis une bonne dizaine d'années. Et bon, latéral droit, donc ce qui veut dire en fait un peu de défense et beaucoup d'attaque. Bon, ça c'est une définition du latéral que d'autres joueurs de Bagatelle devraient connaître, mais bon, apparemment il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, voilà. Et je t'entends, Pierre. C'est toi qui as la gold ? C'est moi qui ai la carte, c'est moi qui paye. C'est toi qui as toutes tes cartes. C'est moi qui paye aujourd'hui. Bon, je suis pas là, hein, vous... Moi j'ai réglé, c'est moi qui gère les champs, c'est moi qui gère toute la logistique de ces boulets. Ouais. Parce que là sinon, on peut rien faire. Excusez-moi, c'est ma place là, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ah, il y a d'autres joueurs, moi, qui sont pas là. Il y a d'autres joueurs qui sont pas là. Quand t'as vu qu'on faisait un stage à Carfontaine, ça a été quoi ta réaction ? Super, on recommence. Parce que c'était la deuxième fois, puisque la première fois en septembre de l'année dernière, et on s'était bien marré, et c'était un bon défouloir. Donc on attendait ça avec impatience en fait. Ça représente quoi justement ? Oh, ça représente un bon moment de convivialité avant tout. Quelques bons matchs de foot, et puis quelques défis dans les ateliers. Tout le monde attend ça avec impatience et inquiétude. C'est du café, Mika. C'est du café, Mika. Non, on n'a pas bu de rosé. C'est que du café. Regarde, Mika. Ça va, tu t'es cru Formule 1? Café, sucre, touillette. Non, mais il y a pas besoin de. Attends, il y a Manchester là. Manchester. Attends. Non, j'ai. Ah non, mais on t'en donne 2-3. Oh putain! T'es gardien, toi! Il est gardien! Il est gardien! Quand j'ai pas mes gants magiques, tu sais ça? Oh là là! Ça fait tout! Il y a eu 42 ans, il y a. On la chante sans ça! Ah, il y a une corifette! Ouais, c'est le gardien, il a fait ton petit. Point de réflexe! Point de réflexe! J'avais vu, il était un peu comme ça qu'on a tiré! Arnaud, c'est le collectif. J'ai pris, regarde ce que tu dis là! Marseille? C'était rien passé. Il y a eu 3 morts. Il y a eu 3 morts. Et ils vont tout droit. Petit journal. Non, c'est à gauche. C'est bon, en plus j'ai vu ça. Tu veux que. Attends, fais une petite sortie de la voie. Il n'y a pas de belle voiture. Il n'y a pas de voiture de vrai sport. On va chercher la Porsche. Oui. J'arrive. Moi j'ai un maillot de l'équipe de France pour demain. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'avais pas envie que me prenne pour un fake. Et bon, demain, il attend de voir le niveau là maintenant. Voilà. 12e tournoi international. Et là, c'est quoi ? Bah, ça, c'est pour le. Les vainqueurs du défi. C'est qui ? Je rigole. Meneur. C'est un joueur qui prend les devants et qui aime bien diriger l'équipe. Alors Arnaud, c'est le coéquipier à avoir dans son équipe, quoi, parce qu'il est collectif et puis il sait bien organiser un match ou réorganiser l'équipe quand ça va pas en fait. Il prend en main les choses. Alors, t'as découvert ta chambre de Chelsea, quoi. Ouais, c'est ah, bon. Ah, punaise. Regarde ce qu'il m'a offert comme cadeau pour mon anniversaire, Zaïd. C'est le maillot de Messi. Quand tu retournes, tu marques un but. Bon, ouais, c'est Chelsea, c'est le club de Chelsea ici. Hein. Là ici. Jusqu'à la fenêtre. Ah non, regarde, Zaïd se prépare. Tu peux aller dans l'autre chambre, c'est pareil, on se prépare. Et Mika, on fait quoi alors finalement? Là on vous prépare une grosse surprise là. Une grosse surprise. C'est après on va sur le terrain synthétique, parce que la cage artistique elle est. Ouais. Non mais pas de problème. Oh problème. C'est que Karim. Oh les paris. Les paris. Arnaud, j'ai eu l'occasion de défendre avec lui à Clairefontaine. Ah, c'est vrai que c'est assez agréable. C'est un défenseur équilibré, technique, physique, mais il est assez grand aussi. Donc il suit central, c'est quand même bien en fait, d'avoir un défenseur à ses côtés comme ça. Ça permet de jouer tranquillement. Quoi. J'ai pas l'occasion de jouer avec lui, mais on doit avouer que Clairefontaine m'a fait découvrir Arnaud. Quoi. Donc, ouais. Ouais, non, c'est franchement bien. Est-ce qu'il y a un exercice que tu as préféré qui t'a été utile ? Ouais, l'exercice des. Comment pour le coup, l'exercice des pompes et de la vitesse, c'était sympa, ouais. Ouais, pas trop sympa. Le défi ? Ouais, le défi où j'ai éclaté Pierre.
J'entends Pierre, c'est pour ça. Il y a encore Pierre, à chaque fois. Pierre, à chaque fois, Pierre, il est là. Pierre. Ouais, Pierre. Il y a Pierre. Je te promets qu'on va retrouver ça, Pierre. On va le retrouver. On va le retrouver et tu vas pleurer. Je sais pas si je vais pleurer, mais je crois que je vais pleurer de rire. Je pense. Comme dirait mon fils, aller chercher le paquet de mouchoirs. Ah, tu vas pleurer, Pierre. La chambre à qui, là? Ça dort, excusez-moi. On sort. Non, non, d'ailleurs. Non, non, c'est bon. Ça dort ici? Pas encore. Pas encore. Allez, on va y aller là. Ok. Mais bon, si tu peux aller réveiller le Dijonais, ça m'arrangerait. Hein. Allez, le Piconnet. Le Piconnet. 113. 113. Non! Encore un bon numéro. Non! Je veux pas y aller! Je veux pas y aller! Ça tourne, ça tourne. Nous, on a jamais un coup de boule. Nous, on a jamais un coup de boule. Voilà, ils ont déjà fait l'apéro, Marc. Ah voilà, allez, regarde, regarde, regarde la table. Ils ont fait comme la dernière fois. Regarde la table extérieure. Nous on est des professionnels. Ils apportent la table et tout en plus quoi. Voilà. Petite terrasse. Le problème c'est que ça c'est notre équipe. Bon c'est bon. Allez c'est bon, allez, on arrive. Qui allait filmer vous là? Attends, je me recoiffe. Ah bon. Parce que là sur la contre-jour, il y a des. C'est vous deux. C'est qui le plus technique? C'est moi. Oui. Le plus rapide? C'est moi. Non. Celui qui joue le plus dur. Lui. Le plus tactique. Peut-être lui. Celui qui a la plus belle coupe de cheveux. C'est moi. C'est pas photo, ouais. Le meilleur style sur le terrain. C'est moi. Il fait du ballet. Il fait... Moi je suis une danseuse. Le meilleur mental. Moi. Ouais. Et qui ex aequo. Ouais. Il n'est pas là pour jouer. Ouais, on est là pour gagner. Le plus grand palmarès sportif. Pas que foot, hein. Oh, t'es lui. Toi? Ouais, je pense. Bon. Bon. Le moins râleur. C'est lui. Ouais, c'est facile, ça aussi. Ouais, je suis chiant. Celui qui ronfle le plus. C'est lui. La meilleure levée de coude. C'est lui. Le plus fêtard. C'est lui. La vache. Le plus investi dans le foot. Les deux. Les deux. Ouais, on aime bien ça. Le meilleur sens du but. Ah, c'est lui. Tu crois? Ah bah oui, t'es buteur. Bah, mais c'est tout ce que tu sais faire. Ouais. T'en rabaisse pas. Oui, c'est vrai. Quel serait le sponsor le plus drôle ou fun pour une équipe de foot? Sponsor le plus drôle ou fun? Tripolin, les peintures. Qu'est-ce que t'as de pire? Picon, citron, bière. Picon, 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 picon. Et pour finir, dites-moi en un mot ce qui caractérise le mieux votre coéquipier. Arnaud, sur... Moi, c'est pas en un mot, mais c'est en plusieurs, mais il y a que lui qui comprendra, le jet de la manette. Le jet de la manette. Sa femme aussi peut comprendre. Sur le terrain. Sur le terrain, alors à l'heure. Pour l'organisation, on va dire Arnaud, c'est le mentaliste. Le mentaliste. Le mentaliste. Allez, viens. Allez, les gars, photo, il y a la caméra, il y a tout là. Allez, sérieux. Vas-y, enlève le maillot du shirt. Mets-le dessus. Ah, ça fait classe comme ça. Vas-y. Oh, on se fait le vrai truc, hein, ou tu te mets accroupi. Mets-toi accroupi, voilà. Ouais, mais pour moi, du coup. Qui est-ce qui passe son sexe sur l'épaule de Farid? Attends, bouge-toi. Non, attends, il y a la caméra. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Ouais. Vas-y. Allez, j'en fais une. On l'a envoyé au match, c'est Pipip. Ouais, viens à ma place, je te prends photo. Vas-y. Et non, mais si tu veux. C'est trop dur pour parler. Tu peux nous prendre. Oui, bien sûr. Comme ça, on. Mais attendez, serrez-vous. Voilà, nickel comme ça, les gars. Vas-y. Ah, toujours le premier à faire les équipes, Arnaud. Bizarrement. Et toujours des équipes qui le mettent bien. Mais mon défenseur, en plus jamais le dernier à aller dans les buts, bon esprit d'équipe, sympa. Ouais. Bon ambianceur, il a bien aidé à l'organisation du C'est vrai. Sur place. Et effectivement, il fait quand même des équipes à son avantage généralement. Mais un leader, on va dire, un bon leader. Très bon. Arnaud, défensivement. Défensivement, et aujourd'hui il a assuré. Ouais, il a été bon aujourd'hui. Ouais. On voulait te faire un petit dédicace. Voilà, parce que t'es spécial guest. On va poser. Mika, tu peux poser avec Pierre. Tu peux prendre une photo, s'il te plaît. Les gars. Farid. Viens, Farid. Toute l'équipe de Chelsea. Toute l'équipe de Chelsea est là. Viens là. Claudio. Photo.
Viens, viens, avec notre ami parisien. Bah ouais, attends. Il y a deux parisiens qui ont accepté de porter le maillot de Chelsea, ouais, pour toi. Farid a assumé complètement. Allez, vas-y. Allez, allez. Regarde, le salaud. Vas-y, regarde, il a... Regarde les traîtres. Voilà, ça c'est la vraie équipe de Chelsea. Ouais, on voit plus vous ici, quoi. Quoi? Vous ici? Pourquoi? Pierre là quoi. Ah, Pierre de l'autre côté, ah ouais, c'est l'autre côté. Non, 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 reste à côté de nous. Ah, les gars, ils ont peur. Ils ont peur. Regarde les salauds, ils ont mis leur maillot en dessous là. Les salopards, les deux là. Les deux, ils ont fait ça. C'est toi qui as ramené les maillots de Chelsea pour pas être tout seul. T'as mis un maillot en dessous, espèce de bâtard. Attends, tu vas voir. J'en ai retrouvé quelques-uns, j'ai dit tiens, je vais les ramener. T'as mis un maillot de Paris en dessous. Attends, t'as fait ça. Les 25 autres sélectionnés, tu les connaissais tous à peu près, ça s'est bien passé avec eux? Ouais, tous à peu près, enfin, sauf 2-3 qu'on voyait très peu. Qu'on avait pas vu. Non, c'est très très bien passé, ouais, on s'est bien marré. Très bonne ambiance. Même à 25, ce qui n'était pas gagné. Même avec une bonne moitié qui ne devait pas être là au premier stage. Et, donc non, très très bien. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs joueurs avec qui tu aimes jouer? Ou contre? En spécifique, ouais, j'aime bien jouer contre Pascal, contre Pierre, contre mon frère, parce que c'est plus facile, je lui mets des coups, il répond pas. Ouais, Pascal et Pierre, ça c'est, j'aime bien jouer contre eux, parce que c'est toujours sympa et qu'on a à peu près le même niveau, donc on s'en sort. Après, ceux contre qui j'aime moins bien jouer, plutôt Mika et Tonio, parce qu'ils savent un peu trop vite. Donc, quand c'est des bons jours pour eux, c'est pas des bons jours pour nous. Arnaud, il joue généralement arrière latéral. C'est un gars, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Il est solide, physique, et il a beaucoup progressé techniquement. Donc, une fois qu'il a récupéré la balle, il est capable de se projeter et de faire avec le milieu un relais pour se porter au niveau de l'aile. Qui peut apporter aussi dans un bon coéquipier. Puis Arnaud, il apporte en dehors du côté footballistique, il va apporter un point de vue organisationnel pour la mise en place ou pour calmer les esprits, etc. Ça fait partie des leaders. Moi je peux jouer, moi les gars. Bah, qui est-ce qui veut jouer encore? Tous ceux qui veulent jouer sur le terrain, et puis on fera le décompte. Les équipes pour les défis, elles étaient bien constituées? Ouais, c'était sympa. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient ensemble. Alors des fois, c'était un peu déséquilibré. Mais c'était sympa, quoi. Ça se faisait une bonne ambiance. Est-ce que t'as un surnom sur le terrain? Est-ce que j'ai un surnom sur le terrain? Bon, non. Hormis Zidane, quoi. Enfin, je veux dire, rien de spécifique. Quoi. Enfin, petit Zidane, là, le petit Arnaud. Toujours très sympathique. Le côté Zidane, on le voit à peu près 3 fois par an, mais ça vaut le coup de le voir. Donc c'est dommage que je puisse pas le voir à Clairefontaine. J'espère une prochaine fois. Ton point fort? Mon point fort? Ah bah le débordement. Ouais. Ça c'est sûr. Tout le monde en a parlé. Exact. Ah ouais, bon, c'est normal. Ouais. Tu l'as? Ah, le tien? C'est grec, tu bousilles mon intérieur. Pur iPhone. Ouais, le débordement, bah, bon, mon côté, en fait, j'apporte des solutions offensives. Et personne ne comprend ça, en fait, puisque tout le monde parle du fait que je suis trop en attaque, mais c'est juste que j'apporte des solutions pour les attaquants. C'est ça qui est important. Alors, Arnaud. Arrière droit, hein, tu es d'accord avec moi? Il est droit maintenant, non? Il est droit, ouais, c'est vrai, il a tendance à se balader un peu. Il reste en poste, il a du mal parfois. Mais je le mets quand même arrière droit. Moi, je pense qu'il est quand même là. Plus spécialisé dans ce... Non, bien, si on peut compter sur lui, physiquement en tout cas, et puis... Ouais, il a un gros coup d'épaule, c'est vrai. Ouais. Non, très bien. Voilà sa place. Non, je pense qu'elle est fixée. C'est formation de hockeyeur, d'ailleurs. Ouais, il n'en blesse pas trop. Non, il n'en blesse pas. En règle générale, quand tu regardes dans la moyenne, ça va, il n'est pas trop pété. Il n'en a pas trop cassé, en disant. Donc ça va. Arnaud, c'est un bon latéral offensif, mais pas toujours défensif. Le point où tu devrais t'améliorer? La frappe devant le but. Franchement, c'est catastrophique. Et Arnaud, donc t'es frère d'Eric.
c'est pas des joueurs très très vifs. Hein. Mais néanmoins, ils ont une technique irréprochable. Un sens inné du placement, pas du but hein, par contre. Des joueurs très très agréables, très très sympas, bonne ambiance avec eux. Donc voilà, bon joueur. Et bon joueur de la Team Baga, historique en plus. Voilà. Volontaire, un peu râleur, mais toujours sympa. Arnaud, solide défenseur qui n'hésite pas à monter aussi. Voilà. Ton parcours foot, si tu as joué dans des clubs, non. Ton stage ailleurs. Ouais, non, pas de stage, que des clubs en fait, divers et variés dans le 91 avec quelques potes. Mais rien d'extraordinaire, parce qu'à chaque fois plutôt pénible. Et puis l'ambiance bagatelle, c'est un peu spécifique, quoi. On se connaît tous, on se marre. Voilà. Ouais. C'est le bon côté du foot, on va dire. Est-ce que tu avais un objectif individuel ou collectif à Clairefontaine ? Ouais, bien s'amuser, pas se prendre la tête. Ouais, tout simplement, quoi. Bon, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on avait amené les bières. Ouais. T'avais fait une préparation spéciale De Clairefontaine ? Pour Clairefontaine. Ouais, bah, Pascal de Dijon était arrivé la veille. Donc on avait commencé à boire le vendredi midi. Voilà. Ouais. Pour être bien. Arnaud, bon ambianceur, bonne équipe avec Pascal. Bon lever de coude. Ouais, bon lever de coude. Arnaud, spécialiste du coup de hanche. Ah, celui qui était avec moi hier en match. Un bon organisateur. Le plus beau geste au foot. Que je connaisse ou que j'ai fait en général, le plus beau geste. Je sais même pas quoi dire. Non, le plus beau geste, c'est pas un geste technique, ouais, c'est le plus beau geste, c'est juste de mettre de la bonne humeur sur le terrain. C'est ce qu'on attend. Ouais, voilà. Est-ce que t'as une anecdote ou un souvenir particulier du stage ? Est-ce que j'ai une anecdote ou un souvenir particulier du stage ? Je réfléchis. Non, pas particulièrement. Enfin, si, on était sur un petit atelier, on était à 3. Je crois que c'était Tonio, Chris de la Webari et moi. Et Chris était chaud bouillant en fait à vouloir faire des petits ponts. Et on était à 2-1, donc Chris était contre nous avec Tonio. Et je lui ai fait une talonnade qui lui a fait un petit pont en fait, qui a été filmé d'ailleurs. Et j'espère bien que ce morceau-là sera remis dans le film. Et il s'est effondré pendant au moins 2-3 minutes. Voilà. Prends des ballons sans que 2, 3. Ah, tu as filmé. Ah, il a filmé. Voilà, tu filmais pas. C'est ça. Ouais, pourquoi t'es toujours par terre? Oh non, je pense que t'as un moyen de te faire beaucoup de fric. J'ai un problème avec mes lacets. Ah, faut les refaire. Tu filmais pas? Non.